Jamais 203, qui aurait cru que Green Earth serait basé sur ce genre de philosophie? Ah, franchement, je commence à y croire, hein. Donc bonjour tout le monde, ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Advance Wars. Dans le présent épisode, nous avons réussi à faire Bataille Mystère version Max. Et cette fois-ci, nous lançons dans Bataille Mystère version Sammy. Ça a l'air d'avoir vachement changé, non? Quoique non, je m'en souviens plus, oui c'est ça, donc il faut... Voilà, il faut sauver cette infanterie et la protéger pendant 8 jours. Ah, je me souvenais pas qu'on avait une unité forte sur notre mini-île là-bas, mais ouais. Donc, comment ça se présente exactement? Parce que je me souvenais que c'était un peu... Enfin, cette mission est facile. À partir, déjà, de toute façon, faut que je sauvegarde pour pouvoir la reprendre. Mais de toute façon, pour moi, ça, c'est une mission de type Fury de Max. À savoir, vous trouvez les bons mouvements au début et vous avez gagné après. En plus, celle-ci est encore plus simple, puisque à l'inverse de Fury de Max, où vous deviez faire des bons mouvements pour atteindre votre QG, ce qui signifiait qu'il y avait plusieurs tours à la suite, là, c'est genre les 2-3 premiers tours et après, c'est venu mieux. L'inventaire est tellement en plein milieu de tout ici que vous n'avez pas d'autre option. Donc là, bien entendu, par exemple, ce que je peux faire, c'est déjà t'attaquer toi pour te bloquer. De sorte que déjà, toi, tu me laisses tranquille. Lui, je peux très bien le mettre là. Parce que de toute façon, lui, il peut pas faire le tour pour l'attaquer. Donc lui, je peux très bien le mettre ici. Ah oui, mais son autre décès, elle peut. Non, c'est pas grave. Toi, je t'attaque ici. Celle-là, elle peut faire le tour ici, etc. Mais bon. Donc, bien entendu... Toi, t'es à portée, mais c'est pas dramatique. Donc, on va essayer comme ça. Comme l'objectif, c'est juste que elle survive. J'ai essayé de balancer des unités un peu partout dans l'espoir de lui bloquer. Bien entendu, ça signifie pas qu'ici, c'est complètement hors du hors des problèmes. Mais disons qu'on va espérer que ça le soit. Donc, toi, bien entendu, on va te sproch. Toi, on va te planquer ici en plongée et on voit effectivement qu'il y a quand même du truc. Lui, les deux peuvent accéder à l'autre bout, donc c'est pas vraiment important sur qui va où, mais quand même un peu. Donc lui, bien entendu, il fonce juste ici. Tank ici, toi là, parce que, ouais, si jamais il y avait quelque chose dans le bois, je préfère au moins déposer quelque chose. Toi ici, toi là. Toi, tu te ramènes un petit peu en arrière. Et toi, tu vas aller courir le QG, je suppose. Tais-toi. Donc, oh, waouh, je pensais pas qu'il le tuerait, pour être tout à fait honnête. Eh ben. Donc, lui, au moins, il a été bloqué de manière efficace. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien non plus. Cependant, au moins... Lui, il peut s'enfuir. Lui, il va se mettre là pour attirer les coups et peut-être survivre un petit peu. Je suis surpris que les forces de Samy aient explosé aussi facilement. Ça, par contre, je vais pas mentir. Je pensais qu'elle tiendrait au moins un petit peu plus. Mais bon. Ça va faire la joie et la bonne humeur d'exploser immédiatement. Ça, on va le mettre ici. Lui, on va le laisser planquer. Parce que j'ai aucune raison de m'embêter. Lui, de toute façon, s'ils veulent l'attaquer, ils sont obligés de le faire par là. Mais ils n'ont pas de raison de révéler ça. Du moins, je vois pourquoi est-ce qu'il le révélerait. Donc, c'est pas si mal. Toi, t'es très bien là où tu es. Donc, toi, de toute façon... Toi, tu vas te mettre ici. Voilà, donc ça nous révèle qu'il n'y a rien de spécial, normalement, dans notre face. Là-haut, je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit. Voilà, c'est bon. Donc, toi, on va pouvoir te mettre ici. Toi, on va pouvoir te mettre là. Et toi, on va pouvoir te mettre là. Il me semblait qu'on avait des forces un petit peu supérieures à l'origine, mais c'est pas grave. Toi, tu vas te mettre ici pour couvrir notre... Oh, waouh. Bon, bref, c'est pas grave. Oh oui, et toi, t'es pire de portée, donc non, tu restes là. Bien. Mon hélico, il continue d'être ici et donc il nettoie. Je veux dire, j'ai pas de raison de faire autrement. Et on va même utiliser notre pouvoir pour nous protéger un petit coup. Ouais, j'aurais pas augmenté légèrement les dégâts infligés par mon hélico. Vous savez quoi? Cet hélico est pas là pour infliger quoi que ce soit. Et voilà! Prends mon tsunami dans la face! Ah, il a survécu. Ah, il est mort.
Donc malheureusement, il a... quelque peu jarté son... son truc. Alors, toi, cependant, t'as la portée, etc. Donc c'est très bien. Donc toi, tu vas attaquer ça, même si, bon, voilà, ça se fait que tu souffres un peu plus. Mais comme ça, ça me permet de faire ça. Lui, j'ai pas trop envie de le ramener, puisque bien entendu, ça signifie que je vais me faire attaquer, et c'est pas cool. Mais toi, au moins, comme ça, tu peux foncer ici. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Normalement, je pense pas qu'il doit avoir d'autres sous-marins. J'espère. Je pense que je vais sauvegarder. Ouais. En vérité, un truc que je pourrais très bien faire, c'est que si lui survit et qu'il n'y a pas d'autres sous-marins, je te fais partir en tête aussi loin que possible, je le mets sur un récif, et lui, je le planque dedans, et l'IA ne le trouvera jamais. Mais là, ouais, donc toi, t'es très bien là où tu es. Tu sais quoi? Non, toi, tu vas te planquer ici. Toi, tu vas te mettre sur la ville, parce que comme ça, tu protèges tout. Et toi, tu vas rester là, parce que je suis désolé, mais entre toutes mes autres unités, t'es la moins importante. Ok, ça, c'était prévisible. Non, il y avait un autre sous-marin. Un autre sous-marin. Donc bien entendu, ce sous-marin va me faire le plaisir de disparaître. Toi, tu vas me faire le plaisir de... je vais re-sauvegarder au cas où, mais en fait, j'ai vraiment envie de juste envoyer mon hélicoptère de transport hors de cette petite île. Il a plus rien dans cette direction. Je veux dire, il a son croiseur ici qui va mettre 10 ans à se ramener là, et moi, j'espère que j'aurai eu le temps de faire fuir mon truc par là-bas. En d'autres termes, si mes troupes qui sont en haut meurent toutes... pas mon problème. Non. Regardez qui se ramène. Oh la vache! Vous êtes sûr qu'il n'y en avait pas assez? Question légitime. Donc toi, tu te prends ça. 17, pas suffisant. Toi, tu vas te barrer par là-bas, parce que de toute façon, c'est très bien comme ça. Toi, tu peux accéder à tout ça, donc c'est un peu gênant. Même s'il est super affaibli. Donc toi, on va juste avancer un cran sur le récif. Toi, tu vas disparaître. Et c'est déjà pas mal. Ah. J'ai conscience que mon pauvre sous-marin fait pas grand-chose. Mais c'est comme ça. Ok, ça fait un peu beaucoup de choses. Donc, toi déjà, tu vas te prendre ça dans la face. Toi, tu vas te prendre ça dans la face. Je sais qu'il va décéder violemment à cause de toutes les autres cochonneries qui ont été tombées dessus. Mais son sacrifice n'aura pas été vain. Du moins, je l'espère. À toi. Toi, tu... donc, toi, malheureusement, t'as accès à tout ça. Mais toi, tu vas pouvoir te planquer tout là-haut. Et toi, tu vas rentrer là-dedans. Voilà. C'est peut-être la pire décision que j'ai jamais faite. Mais disons qu'il ne peut pas être atteint par ça. Et une fois que je l'aurai planqué ici, je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse me faire grand chose. Et sauf s'il planque son cuirassé ailleurs, mon cuirassé va lui défoncer. Et son cuirassé peut toujours m'attaquer mes unités là-haut, donc c'est pas si mal. En fait, toi, tu vas te mettre ici. Donc pouvoir encore. Pas de surprise réelle. Toi, t'attaques ça, ce qui est très bien. Toi, t'attaques ça, ce qui est un peu nul, mais c'est pas dramatique. Toi, tu t'acharnes sur ça, ce qui est parfaitement ce que j'espérais. Toi, tu te ramènes à côté de mon autre pour aucune raison particulière. C'est pas comme si tu voulais l'attaquer. Et donc, parfait. Donc, toi, tu vas te mettre ici. Toi, tu coules ça. Et je pense que j'ai gagné. Donc, bien sûr, on va quand même essayer d'aider nos forces à survivre. Je veux dire, j'aime mes forces. Et tout ça. Et voilà, mais on est jour 8 de toute façon. Non, il l'a révélé! Il a vu clair dans mon jeu. Ah, mais c'est fini. C'est la même vieille chanson! Cette mission est pourrie! T'as sacrifié tous tes hommes pour sauver une infanterie stupide! Ah, c'est surprenamment simple. Et forcément, donc, Roi est parfait, puisque c'est une mission à durée limitée, et qu'en prime, Force et Dynamics ont forcément boosté. Ha 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 ha. Je savais que cette mission allait être ridicule.
Ah. Bah, en plus, le truc, c'est que à l'inverse de la mission normale, j'ai même pas le côté « faut que je fasse survivre mes unités pour le score technique ». J'ai même pas à me préoccuper des dégâts que j'inflige, puisque tout est maxé. Donc, je peux y aller comme un gros bourrin, sacrifier tout le monde sur le passage, et je gagne. Mince, la guerre est horrible. Mais avec ça, donc, ça finit Green Earth, et nous allons pouvoir nous diriger vers la fin du jeu. Enfin! Alors, ça signifie pas qu'on est tranquille vis-à-vis du brouillard de guerre, mais normalement, la prochaine n'en a pas, la prochaine en a, la prochaine n'en a pas, la prochaine en a. C'est une sur deux. C'est un peu mieux que Green Earth, où c'était quasiment que de ça. Non, attendez, c'était que de ça. Il n'y avait que Andy qui n'avait pas de brouillard de guerre, au tout début. Toutes les autres étaient en brouillard. Bref. Donc avec ça, au moins, on a fini Green Earth. On a fait l'émission à chaque fois avec Sammy, donc j'espère réellement pas découvrir à la bataille finale qu'au final, si en fait la mission Sammy débute, compte. J'ai vérifié, ils disent tous que c'est pas le cas, mais c'est là où ils sont tous trompés. Donc bref. Donc je vous retrouverai cependant la prochaine fois pour qu'on fasse en 10x2. Donc d'ici là, ciao.